Voilà, je... Et lui, il est proportionné avec les autres. Vous ne mettez pas les uns après les autres. Si vous ne fallait pas dire ça, d'accord. Le sketch n'est pas du spectacle, je mets dans ma nette. Pourquoi tu mets toujours de ce côté? Pourquoi c'est jamais du bien qui mets de ce côté? Pourquoi c'est jamais là? Je sais, je t'ai vu avec le sandwich et tout, la bouteille de Perrier, je t'ai fait rire. D'aventure de la famille Baratin. Semble avoir perdu la boule, non? À bord de ces engins, allons donc faire un petit tour d'horizon autour, tout autour de la planète. Et là, quelle découverte, quelle vision! Car le monde part en vrille, mesdames et messieurs, oui, le monde ne tourne plus du tout. Et sans vouloir vous affoler, il va falloir vous cramponner, car la planète est mal barrée. Mais, grâce à ce manège, la famille Baratin va tenter de sauver l'humanité! J'ai bien dit tenter de sauver l'humanité. Et voici comment notre histoire commence. Il sera une fois, dans un avenir très très proche, un homme. Un homme traqué dont la vie semble aujourd'hui condamnée à une éternelle fuite. Mais qui est cet homme? Que cache-t-il? Et quelle est donc cette lueur de folie qui brille dans son œil? Eh bien, mesdames et messieurs, cet homme tient entre ses mains le dernier litre d'essence de la planète. Le symbole des générations à venir. Oui, 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 mesdames et messieurs, cet homme tient entre ses mains l'ultime litre d'essence de la planète, issu de la dernière citerne, sorti du dernier puits, à sec depuis bien longtemps. Et c'est l'alerte générale. C'est le branle-bas de combat. Toutes les policiers et tous les états-majors sont sur le quai de guerre. Une chasse à l'homme sans précédent vient de démarrer sur l'ensemble de la planète. Mais pour qui et pourquoi cet homme a-t-il dérobé ce dernier litre d'essence? Ça, mesdames et messieurs, vous le découvrirez peut-être lors du prochain épisode. Un espèce d'enfoiré de pignouf vous a détroussé la dernière ligne d'essence qui était en notre possession. Oh là là, impossible, pas croyable, j'y crois pas, hein. Silence dans les rangs. Aussi, vous allez me carrier tout Mulhouse, me ramener cette espèce d'enfoiré de pignouf
et je veux voir la liste d'essence sur mon bureau dans moins d'une heure. Et surtout, n'oubliez jamais la devise de la patrouille aéro-pédestre. Oi, ne baisse pas les bras. Oi, ne baisse pas les bras. Oi, ne baisse pas les bras. C'est bien, Marshmallow. La nature tout entière a en ce moment historique les yeux rivés sur votre courage et votre détermination. Nous devons préserver les valeurs essentielles qui font de notre démocratie un exemple pour la planète tout entière. Aussi, je veux voir toutes les soirées sur Internet immédiatement et on se paye le drap, bordel de Noïe. Espadrille, en place sur la piste. Parlez au décollage. J'ai pas l'air dans le coup. Go. Espadrille, en place sur la piste. Parlez au décollage. J'ai pas l'air d'un con. Go. Espadrille, en place sur la piste. Parlez au décollage. Parlez au décollage. Oh. Bon, on va nous le pompe, son œuf, la devise. Allez, go. Ah. Oh. Et débarrassez-moi de terre immédiatement. Oh. Sergent, démarrez mon véhicule blindé. Nous repartons en mission. Sergent, pas de blessé? Ça va aller, mon général. Compte en nous. Un, deux, c'est bon. La troupe est au complet. Regardez, là. Un objet tombant non identifié. Je vais tenter de percer pour le récupérer. Mais moi, je vais vous couvrir avec ma cravache. Oh, bien joué, mon général. Réglons nos montres. 3, 4, bonsaï. Allez. Couverture. Ça s'est bien passé, sergent. J'allais, mon général. Ah, mon général, il y a un gros crétin en face de nous. Quoi? Ah, vous avez raison. Il est terrible! Chacun sauve sa peau, dispersion! C'est bon, je crois qu'on les a semés. Ah! Laissez-moi là. Quel est ce truc? N'est-ce pas d'enlouis? N'est-ce pas d'enlouis? Ben oui, n'est-ce pas d'enlouis? Il ira sûrement arriver quelque chose. Mais ça s'en cramait! Vous devriez peut-être rejoindre la Tower Control. Sergent, je viens juste d'avoir une idée. Je vais rejoindre la Tower Control. Vous avez raison. Pendant ce temps-là, essayez de les ramener à la base. Bonne initiative, sergent. Hi-ha-ho, hi-ha, hi-ho-ha, hey, yeah. Et vous êtes le roi du créneau, ma parole. Un parisien, sans doute. Allez, chargez. Henri, Henri, tu continues comme ça, franchement. Eh ben, je vais vous dire, c'est le thème de l'histoire hein, qui est plutôt chargé. La fin de l'ère du pétrole. Et autant le dire franchement, ça va pas être une partie de plaisir. Hein, parce que c'est vrai que le monde est plutôt mal barré. Hein. Rien que d'en parler, moi je vais vous dire, ça me donne des machins, là, comment ça s'appelle, des boules d'angoisse. Enfin, ceci dit, la famille Baratin se met en quatre pour redresser la barre. Tenez, même moi, je me suis abonné à Science et Vie. Bah ouais, pour bien comprendre l'effet de zone... La couche de serre, quoi, tous les trucs là qui vont pourrir la planète. Hein. Bah, manque de peau, ils me l'ont envoyé en anglais. Résultat, j'ai rien compris. Mais je lâche pas l'affaire pour autant. Et d'ailleurs, je vais prendre des cours d'anglais. Parce que comme disait Pépé Baratin, c'est quand t'as la tête dans le sable que tu vois pas le coup de pied qui t'arrive dans le papotin. Ah monsieur, c'est pour mes cours d'anglais. Bah non, moi c'est plutôt physique chimie. Hein. Ah ouais? Eh bah pour le physique, c'est pas gagné. Hein. Bonsoir, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus à cette première tentative de vulgarisation scientifique, dont le thème est l'ère du pétrole. Alors, quand on regarde bien en fait l'ère du pétrole sur l'immense échelle du temps, ça ne représente qu'une infime partie. Hein. Mais bon, pour bien vous en convaincre, nous allons maintenant remonter l'échelle du temps jusqu'au tout début. Ah ouais. Bon, et alors que trouve-t-on au tout début? Eh bien, en fait, mesdames et messieurs, au tout début, on ne trouve rien. Bon,
alors, à Saint-Pierrien, à Saint-Gourien, à Saint-Conglomérat, donc tout rien, vous finissez par former un très gros rien. Toi, en réalité, mesdames et messieurs, bah, nous n'en savons rien. Bon, alors, comme on a dit ça, on croit qu'on l'a tout dit, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'à partir de là, il faut tenter d'imaginer ce rien. Il faut tenter de se faire une idée du vide. Et là, je vais demander à l'infacitant, Gilbert, de nous donner une notion du vide. Moi je vais être comme ça, comme ça je suis assez fourni. Tu vois là, hein? Voilà. Oui, à partir de ce vide, naît une petite étincelle. Hein, qui va donner une première explosion. Paf. Une deuxième, paf. Toute une série d'explosions en cascade, paf. Fais paf. Tap, bon, il a fait le Big Bang, quoi. Bon, maintenant, comme pour faire le Big Bang, tout ça, Gilbert et moi, il s'agit quand même d'un événement monstrueux, hein, qui implique des forces potentiellement monstrueuses. Si je m'en vais vous demander une collaboration, alors, par exemple, un monsieur qui avait l'air intelligent, est-ce que vous pourriez me donner une explosion, s'il vous plaît? Bon, ben, je me suis trompé, c'est pas... Ah, madame, si vous pouvez me donner une petite explosion, s'il vous plaît? Non? Non, ça c'est... Madame, vous avez des facettes méconnues. Ok, vous pouvez nous le refaire? Oui, très bien, c'est parfait. Bon alors, le ping-pong, ça démarre à peu près comme ça. Mais alors, on beaucoup plus fort, hein, quand même. Ah, Gilbert, alors nous allons prendre depuis le début. Attention, hein. Gilbert, revenez. Attention, Gilbert, concentration. Hein. Gilbert, le vide. Alors la petite étincelle. Attention madame, la première explosion. Voilà, une deuxième. Gilbert, une quatrième. Ouais. Et attention, tous ensemble. Et à partir de ce Big Bang surgissent alors les galaxies. Des nébuleuses, un tout un cortège d'étoiles filantes, des trous noirs, une saramande de comètes, des soleils, et puis bien entendu, aussi un moment, la Terre. Hubert, non, la Terre. La Terre. Fragile. Super. Perdu dans ce tout vide, soudainement devenu tout plein. Merci Gilbert. Merci Gilbert. Et à partir de ce Big Bang, passent alors des millions d'années. Des millions d'années jusqu'à ici, et maintenant notre Terre se retrouve de nouveau en grand danger, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Là, quand même, nous venons de donner naissance au cosmos, c'est quand même pas mal. Hein. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation. Mesdames, messieurs, la vulgarisation scientifique, un petit pas pour la science, mais alors, un grand pas pour l'humanité. Retour à la base immédiatement. Je m'occupe de récupérer Baltringue. Allô la base, le point est un problème.
Patrick, un peu de sang-froid, identifiez le problème. Général, je ne comprends pas, je ne maîtrise plus la direction. Patrick, je vous checklist la totale. Tandis vite. Non, général. En poule, en torse, également. Non, général. Rotule, synovique, du fémur. Général, je crois que c'est un claquage. Un claquage? On est cru, on est bouxelle. Général, vite. J'ai peur de l'altitude, je suis en hypoglycémie, qu'est-ce que je dois faire? Remettez-vous les bras! Remettez-vous les bras! À quelle altitude êtes-vous? 1m50! On va vous tirer de là, Bertrand! Mais général, je suis complètement à côté de mes pompes! Vous allez tenter l'atterrissage sur le cul! Ah non, ça j'arriverai jamais! Mais si, vous allez y arriver! C'est vous baliser le terrain, regardez! Voilà! C'est facile! En plus, vous avez mis un petit signe distinctif! Non, j'y arriverai jamais! Mais si, vous allez y arriver! Mais je vais me cracher! Mais si, crachez! Sortez le train arrière! Coupez les moteurs! Marshmallow! Encore raté! Patrick, n'ai jamais perdu un seul homme. C'est la première fois. Patrick, vous n'êtes pas digne de faire partie de la patrouille aéro pédestre. Vous êtes viré. Non, pire. Vous êtes muté. À la brigade palmée. Oh, oh non, pas la brigade palmée. Si, la brigade palmée avec leur petit bec de canard. Et hop, la patrouille est mon ouais. Quant à vous, bande d'incapables, ne pas foutu de me ramener à l'île d'essence. Vous savez que je risque mes galons sur un truc comme ça. Vous ferez 15 pompes, ça vous fera les pieds, les romper. Oh là, je suis trop incapable. Je veux dire, la personne prend 15 pompes, hein. Tout fait péter comme le pauvre Altrag à la palmée. Tu imagines avec les bruits avec deux canards en train de pousser les zodiacs dans le Pacifique. Marshmallow, si vous continuez comme ça, c'est vous qui allez vous trouver dans le Pacifique à pousser les bruits avec deux canards, compris? Oui, en général. Bon, ouais, c'est bon. En général, quoi encore? Je dois vous avouer que je doute de l'efficacité réelle de cette espadrille aéro-pédestre. Sergent, l'aviation est le symbole de la toute-puissance de notre peuple. Même sans kérosène, nous ne baisserons jamais les bras. Car nous sommes le phare de la liberté, la lueur de l'humanité, l'espoir du monde civilisé. Compris, sergent? Oui, mon général. Ceci dit, aussi parfois il m'arrive de douter. Vous, mon général? Oui. Ouais. Oh. Chut. En place. Demi-tour. Demi-tour. Vous me faites exprès, là, ou quoi? Allez, tournez-vous. Et puis baissez-vous. Vous êtes trop grand. Allez. Chargez. Chargez. Le bras armé des nations repart à la conquête de ce fameux litre d'essence. Moi, j'en profite pour vous inviter à découvrir la façon dont chacun s'organise pour vivre en ces temps difficiles. Car s'il est vrai que la découverte du pétrole fut une révolution pour l'humanité, l'épuisement et la disparition de ses stocks fut un choc sans précédent dans l'histoire des civilisations. Alors quand on s'est aperçu qu'on allait manquer de pétrole, on a commencé à chercher. Oui, on a cherché, mais forcément au bout du compte, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour remplacer le pétrole? Du gasoil. Du essence, oui. Écoutez, de la betterave. Du colza. Alors pourquoi pas du spätzle? Hein? Ah bah l'avenir dans les produits locaux, là, non? Hein? Ou alors, peut-être, attendez, j'avais ça, là. Ah oui, c'est pas mal, ça. Pour rouler, oui. Hein, pour rouler au pas, dans mon réservoir, des Fleischnacker. Hein? Non, je sais, vous, champ de Mulhouse, vous direz bientôt au lobby pétrolier, non, nous ne n'utiliserons plus votre essence, nous ne utiliserons plus votre super, hein. Bientôt, nous nous roulerons désormais au sur la Warla. En fait, quelles sont les bonnes solutions? Voilà, telle est la question.
Allez-y, monsieur, allez-y. Voilà, très bien, très bien. Ça vient, ça vient. Parfait, monsieur, parfait. Alors, monsieur, ça s'est bien passé? Ah bah oui, hein. C'est un petit dessin, mais tout de suite, on a envie d'aller plus loin. Vous l'avez dit, hein? Ah oui, on a une bonne visibilité, hein. C'est ce que disent tous mes clients, monsieur. Et puis un sentiment de... De puissance, de force, de domination. Oui. Avec ce véhicule, vous êtes un autre homme, monsieur. Mais c'est juste un petit problème pour les marches arrière. Oh, rien de plus simple. Regardez, ce véhicule est équipé reconnaissance vocale. Vraiment? Un véhicule à la pointe de la technologie. Vous vous placez à bonne distance. Oui. Vous dites avance pour avancer, recule pour la marche arrière et stop pour arrêter. Je peux essayer? Mais bien sûr, monsieur, nous sommes là pour ça. Avance. Un petit peu plus fort, monsieur, hein? Avance. Vous voyez, ça n'y a avec plus de conviction maintenant. Avance. Voilà, c'est ça, monsieur. Allez-y, lâchez-vous, lâchez-vous. Au pied, j'ai dit. Parfait, monsieur. Allez, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Allez, on va tenter. Reçons la balle. Voilà, vous allez, pouvez arriver. Parfait, monsieur, ça vient, ça vient. Et voilà, monsieur, c'est garé. Et toujours ce sentiment de... Mais je vous l'ai dit, monsieur, avec ce véhicule, vous êtes un autre homme. Alors regardez bien, les fermetures étanches se trouvent ici. Admirez la finition, un travail d'orfèvre. Alors, madame, quelles sont vos impressions? Je suis complètement emballée. Ah! Alors, avec le grand hublot, là, eh ben, j'avais une vision panoramique. Alors, j'avais qu'une envie, ben, c'était d'en sortir. C'est juste toutes mes clientes, madame. Bon, alors, vous le prenez? Ben, c'est-à-dire que je voulais savoir si c'était 100% écologique. Voyons, madame, ancien baril de pétrole, hublot de Boeing, essieu de TGV, c'est du 100% recyclé. Mais parce que vous savez, mon mari et moi, on est très éco-responsables. Ah, alors ça, c'est tout ma tasse. Mais elle est charmante. Ben ça, c'est gentil. Mais c'est normal, madame, c'est le service. Ah oui. Et alors, quand il pleut, vous pouvez récupérer l'eau. Vous vidangez par ici et vous avez de l'eau déminéralisée. Et ben tu vois, par exemple, c'est extra pour leur passage. Ah oui, ça, c'est bien pensé. Mais allez-y, monsieur, entrez, entrez. Non, vraiment, je peux? Mais bien sûr, monsieur, nous sommes là pour ça. Je vous en prie, allez-y. Oh oui, j'ai toujours ce sentiment de... De domination, oui monsieur, exactement. Allez-y, prenez place. Chérie, attends. Bon, il y a tout le temps d'adaptation, c'est tout à fait normal, hein. Ah non, 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 c'est confortable. Ah, et puis c'est convivial, hein. Mais c'est le but, madame. Avec les caravanes d'autrefois, qu'est-ce qui se passait, hein? Monsieur partait jouer à la pétanque de son côté, madame restait pour faire la vaisselle, et finalement, on ne se voyait pas du tout. Alors que là, avouez que ce modèle favorise le rapprochement du couple. C'est bien pensé, hein. L'activité du couple, c'est quand même le but des vacances, non? Ah, oui, ça c'est vrai, hein. Justement, au niveau des vacances, on part toujours au bord de la mer. Oui. Et à Mulhouse-Plage. Alors, question sécurité. Les changements climatiques ne nous posent aucun problème. Raz-de-marée, typhon, tsunami, du 100% insubmersible. Eh bien ça, vous savez, c'est rassurant. Bon, alors vous le prenez. C'est juste encore une petite question, quand même. Mais bien sûr, monsieur, allez-y, posez votre question. Excusez-moi, mais il n'existe que dans cette couleur. Bien sûr que non, monsieur. Nous avons toute une gamme de coloris. Vous allez dans n'importe quelle tintinerie, vous achetez le pot de peinture de votre choix, bleu, jaune, rouge, vert, vous achetez aussi un pinceau, et vous le repeignez entièrement selon votre goût. Ah, ça, c'est vraiment bien pensé, hein. N'est-ce pas, vous, madame, vous le prenez? C'est-à-dire que c'est mon mari qui a la signature, oui. Bon, parfait, madame. Bon, monsieur, je vais demander une petite signature ici même. Oui, mais... Bon, écoutez, comme vous m'êtes vraiment très, très sympathique, je vous fais 2% de remise sur ce modèle, mais c'est le dernier qui me reste, et j'ai des clients qui attendent. Oui, mais... Prends-le, chérie, prends-le! Elle assiste! Ah, bah si elle assiste, je signe! Ah, ah, monsieur, vous venez de faire une sacrée affaire, vous savez! Moi, des clients comme vous, j'appelle ça des petits ménards! Alors n'oubliez pas, monsieur, hein, que les grands axes, tout en ligne droite, un petit conseil, essayez d'éviter les virages. Merci pour le tuyau! C'est normal, monsieur, nous prenons soin de notre clientèle! Voilà! Allez, je passe, face aux vacances, ce sera fait! Mais vous voyez, c'est léger, j'y arrive d'une main! Oui, ça, c'est toute ma femme! Non! Allez-y, monsieur, c'est parti! Allez! Allez, chérie, vive les vacances. Au revoir, madame, et bonnes vacances. Il y a aussi, c'est gentil. C'est normal, madame, vous servez. Allez, chérie. Allez, chérie. Ben voilà, le bilan caravane, non? Voilà une idée géniale, non? En l'espace d'un siècle, 1 000 milliards de barils de pétrole sont partis en fumée. Ce qui nous fait quand même plusieurs milliards de barils à recycler, ça, hein? Un marché du tonnerre, là. Une fortune à se faire. Et avec les 900 millions de véhicules actuellement en circulation tout autour de la planète et bientôt complètement inutilisables, pourquoi pas un parc d'attractions à prix très attractif. Le pétrole,
source d'enrichissement, de profit et de magouille d'un bout à l'autre de la chaîne. Du premier puits jusqu'au dernier litre. Et d'ailleurs, qu'est-il devenu ce dernier litre? A-t-il été revendu à prix d'or à un collectionneur privé? Ou bien est-il actuellement entre les mains de scientifiques prêts à le dupliquer dans quelques laboratoires secrets? Ou bien... toujours entre les mains de notre fugitif qui court toujours, eh bien s'il court toujours, c'est qu'il n'a pas été encore arrêté, hein, et c'est tant mieux, car ça nous laisse encore un peu de temps pour continuer à nous instruire. Car mesdames et messieurs, dans la famille Baratin, science et culture ont toujours fait bon ménage. Là, je viens d'essayer le couple-œuf avec la choucroute. C'est un peu spécial. Moi, j'aime beaucoup la tête d'œuf. Je me viens de ma mère et j'y tiens beaucoup. Eh bien, merci d'être venus si nombreux à notre deuxième tentative de vulgarisation scientifique. Nous allons aborder le problème des énergies fossiles. Et plus précisément, celle du pétrole. Alors, qu'est-ce que le pétrole? Eh bien, tout d'abord, il faut faire un retour dans le temps, n'est-ce pas? Un retour dans le temps qui serait nous fait par nous-mêmes pour vous donner une séance un peu plus illustrée pour les non-comprenants. Voilà, nous allons planter un décor simple, compréhensible de tous et surtout de nous-mêmes. Voilà. Alors, au début, était... La nature. Était une nature, messieurs dames. Une nature florissante, épanouie. Il faut imaginer une sorte de jungle avec des lianes, de l'humus, de la boue, des rivières, des cascades, oui, des montagnes, des volcans, des plaines, des collines, des prés. Enfin, la flore. Et pour représenter cette flore, nous avons choisi une fleur significative. Un arbre. Alors, allez-y, Gilbert. Faites l'arbre. Que les gens se rendent bien compte de ce que c'était qu'un arbre. Voilà. Alors, évidemment, il faut imaginer d'autres arbres autour. Mais nous ne sommes que trois, donc un arbre. Bien. Alors, vous allez me dire, quand on a dit ça, on a tout. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Eh oui, la nature n'était pas seule. Oh non, 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 non. Bon, étant le plus corpulent des trois, je me désigne moi-même et je suis votre père pour faire le mammouth. Et la science vous en remercie, chers collègues. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le mammouth? Alors, le mammouth est un gros éléphant laineux. Laineux ou poilu? Oui. Poilu ou laineux? Ouais. Oh, ton visage, le c'est vrai qu'en Sumérie, ils étaient plutôt laineux. Oui, et dans le sud, ils sont plutôt poilus. Bien, donc... Enfin, peu importe, voici un spécimen de mammouth à poil que vous allez reconnaître dessus. Grâce à sa démarche. Exactement. Merci. Alors, regardez bien. J'ai donc quatre pattes et je me déplace comme ceci. J'ai une longue trompe, de grande défense, et donc tout le monde aura reconnu... Le mammouth! Bien, ce mammouth est content, alors il se promène dans la fleur, n'est-ce pas? Voilà. Oh, le mammouth est heureux! Il vit sa vie de mammouth! Il gambade! Enfin, pour l'instant, il se promène, hein! Il n'est pas pressé non plus! Vous non plus, d'ailleurs! Bien, alors le mammouth est content, et il se promène sur sa petite colline, n'est-ce pas? Voilà. Bon, je vais faire un tour dans l'autre sens, parce que sinon, ça donne un peu le tournis. Bien, alors nous avons planté la nature. Un arbre. Et maintenant, quelque chose... Le mammouth. Oh. Et maintenant, quelque chose de très important. L'apparition de l'homme. Mais quand même, le mammouth est vraiment très content. Alors maintenant, il gambade sur sa petite colline. Comme je suis fort. Et il se gratte. Mais il se gratte, il a envie de se gratter. Là, il n'a pas envie, alors il se grattera pas. Bon, alors, Gilbert, vous remontez vos branches et je fais l'apparition de l'homme. Et alors là, il se gratte. Il se gratte dans le dos.
contre l'arbre qui a une écorce près de lui. Et il se gratte parce que, ça le gratte, voilà. Pour un moment, cher collègue, faut arrêter de se gratter. Soit. Bien. Je vais donc faire l'apparition de l'homme. Connaissez-moi, Gilbert. L'homme aperçoit le mammouth. Il gambade. Bon, bah alors je regambade et vous regambadez. Bon. Alors l'homme se fabrique une lance. Merci Gilbert, là, c'est pas ça. Et il va se mettre en embuscade. C'est un embuscade. Le mammouth, croyant apercevoir sa mère, parce que ses lunettes sont un peu sales, qu'elle est aussi extrêmement poilue, se rapproche, et là, stupéfaction. Mais il est déjà trop tard. L'homme va bouffer le mammouth. Le mammouth court, le mammouth fuit, il traverse des monts et des fonds. L'homme plus intelligent fait demi-tour, et se retrouve face au mammouth. D'un geste majestueux, il lui transperce le flanc. Là. Plusieurs fois. Là. Mais la peau du mammouth est très dure. Oui. Mais il fait fondre. Non. Il va rire. Oui. Mais il fait fondre. Ah, soit. Ah. Mais non, Gilbert, je ne suis pas vraiment mort. L'homme est heureux. Il danse la danse de la victoire. Mais au cours de cette cérémonie, il se blesse lui-même. Il est gagné par un virus, la gangrène, et il va mourir à son tour. Pendant ce temps-là, le mammouth a commencé à se putrifier. Alors moi, je me putrifie, voilà. Alors l'homme se putrifie à son tour. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui se putrifient. Je continue à me putrifier. Tout à coup, la tempête. La foudre. L'arbre foudroyé s'abat sur tout le monde. Et c'est que passe. Plusieurs étapes se succèdent. Attention, regardez bien. La cristallisation. N'y crois, mon Inuit, je le fais mieux, l'Inuit, quand même. Attendez, je le refais. Regarde. Ah ouais, puis il pêche sur le goudron, ton Inuit. Bon, écoute, avec le réchauffement climatique, la banquise a fondu, alors il pêche sur le goudron, mon Inuit. Ah bah, dis-toi que si la banquise elle a fondu, hein, il n'a pas une moumoute bleue, alors, hein, il a une chemise hawaïenne. Bon, Florita, comment tu veux que les gens reconnaissent un Inuit si j'ai une chemise hawaïenne? Parce que tu crois que c'est avec des images d'Épinal qu'on va sauver l'humanité, toi? Écoute, elle est très bien, cette moumoute bleue. Moi, j'aime faire les nuits. Je fais les nuits depuis ce tour. Allez, hop. Pourquoi pas, mais ça va pas la tête. Tu sors. Mais allez, où? T'es dehors? Oh, écoute, si c'est comme ça, je vais faire les nuits dehors, et puis c'est tout. Et puis, je vais te dire un truc.
Quand on fait les spectacles de rue, on est toujours dehors. Ah, ah, c'est spirituel. Vous êtes prêts, les gars? Arrêtez, ça fait 10 minutes. Et ben alors, on enchaîne. Sergent! Oui. Non, toi, t'es même pas en deuxième classe, tu vois. Non, même pas en première. Sergent! Voilà ce que j'ai à vous dire. Allez, faisons, je vais faire voler quoi qu'il arrive. Hein? Alors, mettez-moi dans le sens du vent! Oui. Sergent, en place! Je n'ai pas fini tous les tests cet atelier, cet avion doit immédiatement retourner au hangar. Mais depuis quand un civil donne des ordres à mes soldats? Bon, écoutez, on a repéré le voleur de l'essence à moins d'une heure de vol d'ici, dans un bled. Strasbourg, vous connaissez? Alors moi, je m'en vais l'intercepter. Et vous, un bon conseil, vous retournez dans votre labo et vous nous laissez faire le boulot. Sergent, en position, en musique. Cet avion est un prototype, vous n'avez même pas idée de la façon dont il fonctionne. Non mais c'est pas vrai, là, vous me prenez pour un bluffit ou quoi? J'ai volé surtout qu'il y avait deux ailes dans le barin. Alors c'est pas un nouveau zinc qui va m'impressionner. Sergent, en position! Vas-y! Cet avion n'est pas les ailes, comme vous dites, et même cette hélice requiert un minimum des précautions. N'y touchez pas n'importe comment, vous, espèce de groupe à nous. Ouais, qu'est-ce que je fais, mon attendant? Sergent, patientez avant de le pulvériser. On va d'abord écouter ce que ce guignolo a à nous dire. Heureux de vous voir enfin, raisonnable colonel McCormick. Descendez immédiatement de cet avion. Regardez, il manque un morceau de carlin. Rien à foutre des courants d'air. Enfin, je n'ai même pas attaché les trains d'atterrissage. Eh ben, je viens de cracher sur la tour de l'Europe. Au point où elle en est. Mais le cockpit. Bon, ils volent ou pas, ce zinc? Bien sûr qu'ils volent. C'est tout ce que je voulais savoir. Sergent, allez lui expliquer. Voilà, écoutez. Vous allez nous exposer gentiment la mise en vol de cet appareil. Et gardez votre littérature pour ces messieurs du ministère, c'est clair? On a un salopard de voleur à portée de main et on ne veut pas le rater. Oui, bien sûr, comme vous voudrez. Merci, sergent. Colonel McCormick, cet avion est un modèle révolutionnaire. Le plus révolutionnaire depuis la fin de l'ère du pétrole. Il possède un moteur à ressort 100 000 fois plus puissant que tous les ressorts classiques. Et regardez, regardez, même plus besoin de décollage. Il est déjà à 2 mètres au-dessus du sol. J'ai mis des ailes. Abrégez. Comprenez-moi, il faut assurer son horizontalité. Goofy, régulier, en position. Oui, puis, il faut les désolidariser de son socle. Attention, hein. Chaque tour d'hélice lui assure 200 km d'autonomie. Sergent, mettez-moi en 4. 1, 2, 3. Oh, armez l'hélice et faites sauter la sécurité. J'ai le contrôle. Tout le monde libère la piste. Et attrapez-nous, salopard, mon colonel. Sergent, vous pouvez compter sur moi. Colonel McCormick, ouais. Tableau, bord, frein, tout est absolument classique, hein. À part les petits boutons rouges là auxquels il ne faut absolument pas toucher. Hein. Alors, pourquoi un petit bouton rouge? Parce qu'il faut toujours un petit bouton rouge auquel il ne faut absolument pas toucher. Évidemment. Par exemple, évidemment. 5, bougez l'orchestre. 4, 3, 2, 1, Bonza! J'ai manqué, c'est pas alerter les ministères. Et vous savez quoi?
vos galons et vont rester en travers de la gorge. Sergent, allez lui offrir une tasse de thé. C'est-à-dire que je suis plutôt café. Avec un ou deux sucres. Avec deux, si vous voulez. Je rajoute une petite praline. Passez dans le salon, la lumière est tamisée. Aouh, ça fait mal. Ouais, dans le genou, chachote. Qu'est-ce qui s'est passé, mon colonel? J'ai pas pu m'empêcher. J'ai appuyé sur le petit bouton rouge. Oh. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Mais on pousse, sergent. On pousse. Allez, vous allez. Scientifique. Maintenant, l'effet de serre. Bon, eh bien, pour comprendre l'effet de serre, il faut cerner les gaz à effet de serre. Hein. Alors, les gaz à effet de serre résultent de l'activité humaine. Hein. Alors, ben, voyons donc un homme en action. Voilà. J'y vais. Allez, allez, Stéphane. Bon, alors, l'homme, le matin, qu'est-ce qu'il fait, hein? Papa, il se réveille, oui, et puis, il prend sa douche avec de l'eau chaude, chauffe-eau, ton gaz, puis il prend sa voiture, gaz. Il arrive à l'usine, machine, fumée, gaz. Boum. C'est bien, Gilbert. Alors, quand on a dit ça, on pourrait avoir tout dit, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce que les gaz sont emprisonnés dans l'atmosphère, Gilbert. Dans l'atmosphère. Bon, merci, c'est pas bien, voilà. Donc, l'atmosphère qui est là, hein, et qui, comme chacun sait, est au-dessus de nous. Alors, les gaz emprisonnés dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils essayent de s'échapper. Alors, ils se compactent, ils s'agglutinent, ils essayent, et après! Et voilà un gaz prisonnier de l'atmosphère. Alors, quand on a dit ça, on pourrait avoir tout dit, mais c'est encore plus complexe que cela, parce qu'il y a l'action du soleil sur la Terre. Bon, alors écoutez, Gilbert, vous allez faire l'atmosphère. Hein. Moi, je vais faire le soleil, et puis bah, pour faire la Terre, je vais prendre monsieur, là. Oui, vous, parce que... Venez, venez, vous avez une bonne tête de terre. Je suis le petit rayon de soleil, et là, je traverse l'atmosphère, et là, je chauffe la Terre. Mais au moment de partir, les gaz emprisonnés dans l'atmosphère me renvoient sur la Terre. Heureusement, il arrive que l'on parvienne à s'échapper. Si on fait une chaleur à mourir, ce n'est pas bien toi. Une explosion. Imaginons maintenant que monsieur soit un iceberg. Un bel et grand iceberg. Monumental, immaculé, dressant sa splendeur étincelante au milieu de l'Antarctique. Alors, le petit rayon de soleil l'enlace et le serre en effet. Et la glace est rouge. L'iceberg se décompose. Il s'abandonne. Bon, quand même. Il s'abandonne. Oh, c'est horrible. Plus je l'enserre, plus le glace est au fond. Il fond, je boule. Non, c'est pas faux. Il fond, je boule. Ah non, il fond, je boule. Non, mais ça va, j'ai gardé. Non, mais il fond, je boule. Oh, non, c'est horrible. Notre relation est impossible. Pars à la dérive. Non, reviens! Va t'asseoir. Tu n'es plus qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'indifférence. Vous avez
vulgarisation scientifique. Un petit pas pour la science. Un grand pas pour l'âme. Mais ça n'en va pas, je meurs. C'est terminé. Merci de votre attention. Non mais là je vois bien la... Tu vas me foutre une date. Mais tu sais quoi? Mais c'est sûr que si tu reviens pas tout de suite, je vais t'en mettre une, hein. Ah, j'en étais sûr. Bon, la promesse, tu vas pas m'en mettre une. Bon d'accord, promis. Tu croises les doigts derrière Gino, je le vois. Jure devant tout le monde. Bon, juré. Rita. Ouais. T'as juré devant tout le monde. T'as juré devant le public. Le public de Colmar. Et le public de Colmar, ça, c'est sacré. T'as me juré. On est à Mulhouse, face de vous. Cher public, chers amis, chers clients, soyez les bienvenus dans l'agence du monde. Nous allons maintenant vous présenter notre nouveau catalogue, et toujours avec notre équipe de porno. Une équipe à votre entière disposition. Avec l'agence du monde, vous aurez le souffle coupé à la vision des forêts d'éoliennes s'étendant à perte de vue dans la péninsule ibérique. Steppe amazonienne, l'immensité des champs de panneaux solaires. Vous survolerez la grande digue de Hollande, plus haute que la muraille de Chine, et conçue pour résister à tous les typhons, toutes les tornades, toutes les tempêtes, et vous la survolerez en ballon. Mais... si vous souhaitez gagner un voyage avec l'agence du monde, il va vous falloir maintenant répondre à une question. En quelle année le premier réfugié climatique inuit a-t-il été aperçu à Mulhouse? 2030, non, 2008, non, 2020, non, 2022. Oui, mademoiselle a gagné. Mademoiselle, vous avez gagné un paquebot, hein, hein, carrément une croisière à bord d'un paquebot du monde. Allez, venez, venez. Non, mais venez découvrir de nombreux avantages dont vous pourrez bénéficier lors de cette croisière de luxe, catégorie privilège. Regardez, voici votre ticket d'embarquement. Ah, inutile de préparer votre valise, nous en sommes occupés bien. Mademoiselle, progressons donc jusqu'à ce paquebot qui va vous permettre de passer de la terre à la mer sans discontinuer. C'est personnel toujours empressé. Dites, j'ai fait dessiner pour vous cette petite robe qui va vous permettre de résister à un été glacial comme à un hiver torride. Allez, mettez-la, dites. Ouh, la féminine que vous allez être. Dépêchez-vous, mon petit coco. Mademoiselle, faites-moi... dites-moi, mais vous savez. Oh, merci. Chapeau, anti-pollution, capillaire. Oh, ça va vous aller, je suis sûr. Oh, ça va vous aller à ma mère. Peut-être un peu
de protection solaire indice 360 pour les jamais trop tôt. Allez, allons donc dîner, mais quoi? Quoi? Oh, des poissons! C'est inespéré, il est en voie de disparition, hein. Venez, j'ai mis de côté pour vous deux chevaliers serpents. Avec leur route génétiquement modifiée pour vous, mademoiselle, rien que pour vous. Venez, progressons donc jusqu'à la salle de bain. Oh, regardez! L'orchestre est là! À moins que vous ne préfériez plus tard dans la nuit les rats d'un lanceur de tambour, eh bien, il est à vous. Allons-y. Ouh, tout va bien se passer. Oh non, je sais, vous préférez la valse. Eh bien, c'est possible, la valse. Non, je devine. Vous préférez peut-être les amitiés féminines. Eh bien, avec l'agence du monde, tout est possible. Tout est possible. Mademoiselle, je sens l'émotion arriver, non? Venez, car il est temps d'embarquer. Bon, alors, d'accord? Pas à bord de ce charter, à bord d'un véritable paquebot du monde! Muscle saillant, regardez-moi ça, regard perçant, oui. Embarquez donc, mademoiselle. Il remet le cap, allez-y, n'hésitez pas. Et laissez-moi vous souhaiter un bon voyage. Ce ne sont plus les fleuves qui se jetteront dans la mer. Non. C'est la mer qui se jettera dans les fleuves. Oh, regardez! Deux naufragés climatiques. Serait-ce des Inuits? Ce sont des Hollandais. La grande digue aura sans doute cédé. Mais vous, mademoiselle, vous n'avez rien à redouter.
souvenir, c'était plus vert l'Alsace. Ça, c'était avant la montée des dunes et la poussée du Sahara. Vous êtes allé en Alsace, vous? J'ai fait la campagne de 95 et de 98. Ah, la guerre du sang en plomb. Ça, c'était le bon temps. Vous savez que c'est moi qui ai escorté dans les tankers les dernières 300 000 tonnes de brut. Eh ben, j'y étais. Et dites donc, vous êtes resté longtemps, vous, en Alsace? Moi, je m'en rappelle plus. Déjà, à l'époque, on comptait plus en jour, on comptait en litres. Par contre, je me rappelle que j'avais été à Bâle, là-bas, je trouvais ça joli. Moi, y aller ensemble, à deux balles, c'est pas cher. Ouais, bah, c'est votre balle qui est pas cher, hein. Ouais, exactement. Ouais. On va continuer à pousser, on va pas faire une tartine. Non, mais faut aller un peu aussi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Remarquez, j'en ai une bonne. Ouais, balle, c'est un peu un trou, hein. Très bonne. Ouais. Ah, c'est ça, t'as des bancs de sable, on voit plus grand-chose. Eh ben justement, on met le turbo. Ah oui, oui, on met le turbo. Oh. Ouais, qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, j'ai du sable dans mes Rangers. Oh, mais c'est pas vrai, là, vous faites exprès. Je dois vous avouer, je doute de l'efficacité réelle de ce type dans le désert alsacien. Bon, sergent, pour la dernière fois, c'est que Jeep est le symbole de la toute-puissance de notre peuple. Même sans gasoil, nous continuerons à rouler. Alors, vous renfilez vos bottes, vous remontez vos chaussettes, vous ne baissez jamais les bras, et vous continuez à pousser dans une coquillette. Car nous sommes le phare de la liberté. Parfait. La lueur de l'humanité. Excellent. L'espoir du monde civilisé. Très bien, bon, prenez de l'élan, il y a une dune. Oh, une dune. Ah oui, ben voilà, on est planté là. Oh. Allez, faites le tour. Ah oui. Allez. Reculez, ouais, je prends un peu d'élan. Voilà, heureusement que je suis là, j'ai un peu bout de mer quelque part. Ouais, Sergent, j'ai vraiment de me coller sur une mine anti-char. Ne bougez plus là. Mais qu'est-ce que vous faites, sergent? Qu'est-ce que je fais, mon capitaine? Essayez d'identifier le modèle. Oh! 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 C'est grave? C'est une grosse mine! Une très grosse, même une énorme! Bougez pas, mon capitaine! Je vais essayer de déminer! Non, vous déminez rien du tout tant que j'ai le cul en l'air! Bon, pour moi, c'est cuit, hein! Alors, ce qui compte, c'est de récupérer une ligne d'essence et de poursuivre la mission! Mais mon capitaine! Silence, sergent! Je connais bien ces mines! La première onde de choc, ça te remonte les pompes dans le cul! Oh. Et la deuxième? T'as les intestins dans les narines. Oh. À la troisième, t'es démembré. Alors à la quatrième, au mieux, être mort. Alors, sergent, vous récupérez cette essence et vous poursuivez la mission. Mais mon capitaine... pas de discussion. C'est un ordre. Adieu, mon capitaine. Mon colonel. Mon général. Mon amour. Adieu, sergent. Je t'aimais bien, tu sais. Capitaine, une dernière faveur. Pourriez-vous ôter vos lunettes? Pour la première et la dernière fois. Deux yeux marrons. Un œil de bœuf. Merci, mon capitaine. Moi, je peux pas... Arrêtez-vous! J'ai trop de souvenirs avec vous. Vous êtes corps. Je veux finir avec vous. Non, ne faites pas ça, sergent. Sergent Chacueil, vous venez de déclencher la minuterie. Oh, tant mieux, mon capitaine. Oh, si j'osais, je vous dirais que j'ai un aveu à vous faire, mon capitaine. Vous vous souvenez du dernier Noël au foyer? Ouais. La petite boîte de chocolat pour être Rangers? Ouais. C'était moi! C'était vous et mon chéri. Sergent, j'ai été aveugle jusqu'à présent. Mais maintenant, tout s'est clair. C'est vraiment un honneur de mourir à vos côtés. Mon capitaine. Sergent, vous avez désobéi? Eh bien fait. Comme ça, nous allons pouvoir mourir en deux. Car nous sommes le phare de la liberté. La lueur de l'humanité, l'espoir du monde civilisé. Adieu, mon capitaine. Au revoir. Non. Pensez.
Vous m'entendez? Sergio! Dis-le! Me parle! Comique, arrêtez vos conneries, ici l'état-major. Vous êtes un incapable, je vais vous envoyer patauger dans le Pacifique. Oh non! Non! Pas la brigade palmée, non! Vous êtes dégradé! Sergent Shanghai, ramenez le second classement comique à la base. Mais qu'est-ce qu'on fait, mon général? Mon colonel, mon capitaine? Soldat, deuxième classement comique! Passez à l'arrière et mettez le turbo. Ah bon? Allez me faire redécouvrir l'Alsace. Ah ouais? Ah mais c'est quoi l'Alsace? Pas justement. Garde-y la l'oreille. D'ailleurs, je viens de dire, parce que vous voulez. Vous pouvez les épiler, ça va être bon, ouais, vous faites exprès, là. C'est bon. Je crois que la ville a resté collée. Qu'est-ce que vous voulez que ça me bouge? Allez, on restent accrochés au passé, à leur pétrole. Alors ils poussent, ils poussent. Ils n'ont pas fini de pousser d'ailleurs. Mais il y a un moment, faut tourner la page. Faut changer de paysage. Bref, faut aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, faut savoir prendre du recul. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, on va organiser un petit vote secret à main levée juste pour voir. Alors, qui est pour? Qui est contre? Tu parles pas français ou quoi, toi? Parce que si t'as le droit de vote, c'est grave. Je comprends mieux certaines choses. Enfin bref. Heureusement, il y en a qui osent chercher. Non, les enfants, je vous expliquerai après. Hein. Pourquoi vous n'avez pas le droit de vote? Alors, heureusement, il y en a qui osent chercher. Alors, quand on ose chercher, parfois, on trouve. Allez, là, vous dégagez la place, hein. Vous dégagez la place, vous pouvez être dérangé au milieu, là. Bon, qui c'est qui s'est occupé des majorettes? Eh bien, c'est qui s'est occupé des majorettes? Peut-être qu'il est nommé responsable des majorettes. Ah, hein, qui te dépêche parce qu'ils sont pas là, hein? Il a l'air de comprendre. Oui, d'accord. Bon, mettez nos gens là, ici, là. Bon, écoutez, c'est pas tous les jours qu'on a un éco-ministre qui vient nous voir. Alors, je veux que ça se passe bien. Et je veux des sourires. Les gamins, là, je veux des sourires. Tu souris pas ou quoi? Et des... Oh, arrête là, avec la sauce. Ah, tiens, vous fatiguez les cyclistes à la dynamo, là. Bon, ça, c'est en place, ça, ça va. Les bouquets. Qui c'est qui s'est occupé des bouquets? Les bouquets, bonsoir! Oh, oh les gars, oh, j'ai cru qu'on avait oublié les bouquets. Oh, dites, les gars, vous avez fait un test, là, hier, ben? Si, seigneur. Oh, alors, comment ça s'est passé? Oui, mal. Attendez, hein. C'est pas tous les jours qu'on a un éco-ministre qui vient nous voir, hein. Alors, on peut pas se permettre que ça se passe mal. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ah!
messieurs, notre dernier manège. À toi, Manu. Oui. Ouais, j'espère. Et une autre histoire.